En 2012, Sunday Break a confirmé en France son début de carrière au Hara, en Amérique. Importé en 2009, Sunday Break est né d'une grande souche internationale et a été lui-même l'un des meilleurs 3 ans de sa génération aux États-Unis, gagnant de groupe 2 et 3e des Belmont Stakes groupe 1. Il s'est tout de suite illustré comme étalon outre-Atlantique, mais également en Europe. Il a ainsi donné 2 gagnants de groupe 1 en plat et en obstacle. Never on Sunday a remporté le prix Disparant à Longchamp. Christophe Lemaire et Jean-Claude Rouget de faire le doublé dans les groupes 1 cet après-midi. Gris de Gris est deuxième. En Angleterre, Orsipus s'est imposé dans un groupe 1 sur les Head Entry lors du meeting du Grand National de Liverpool. Et c'est donc en 2012 que Sunday Break a marqué les esprits avec ses premiers produits de 2 ans nés en France aux talents multiples. Tricky Week a gagné en débutant en juillet sur 1400 mètres à la test avant de conclure 3e de l'Easted sur la même piste. Débordé dans les tout derniers mètres par Tricky Week, qui s'impose. À l'automne, son autre fille Oli Dazzle a gagné une course B sur 1400 mètres à Maison Lafitte, puis a pris la 3e place du prix Miesque, un groupe 3, sur le même hippodrome. Les 2 ans de Sunday Break sont donc précoces et rapides, mais montrent aussi de la tenue, avec Always on Sunday qui a brillé sur les 2000 mètres d'Angers fin novembre. Always on Sunday, le numéro 10 qui a pris l'avantage à Yacan pour la victoire. Always on Sunday à Yacan, aux abords du poteau, le numéro 10, Always on Sunday va s'imposer devant le 8 à Yacan. Fort de ses succès, la deuxième génération des yearlings français a suscité les convoitises sur les rings de vente. Ses produits ont été acquis par les top entraîneurs Jean-Claude Rouget, Francis Graffard, Joël Boinard ou autres Kevin Borgel. Sunday Break a même signé le top prize de la vente de la test à 46 000 euros pour le compte de Paul Basquin. 46 000 euros, Aurélie, chez vous l'enchère. En 2013, Sunday Break revient au Hara de Grand Camp, chez Eric Lhermitte, dans l'Orne.